Allô, j'ai fait quelques vidéos dernièrement sur des produits d'éclairage InLight. Donc, c'est des produits d'éclairage d'ambiance extérieure de qualité. Évidemment, on parle de produits durables qui vont créer un aménagement de soir, quelque chose de très, très, très décoratif, très joli. Mais aujourd'hui, ce que je veux vous montrer, en fait, c'est une alternative. Une alternative ou un mélange des deux. Parce qu'en fait, l'éclairage d'ambiance, on peut la créer dès la sortie de la maison. Vous voyez ici, c'est ma porte d'entrée avant. Alors, j'ai travaillé avec un produit plus décoratif. Tout simplement mis des ampoules de couleur. Mais aussi un éclairage qui est vendu surtout pour un éclairage de Noël, mais que je suis venue accrocher au plafond. Ça pourrait aussi être une lampe suspendue, décorative. Donc, on vient créer une ambiance avec cette zone-là. Ensuite, si je me tourne de bord vers mon jardin, je suis venue tout simplement installer dans ma tonnelle d'éclairage en globe. Donc, ça peut être l'éclairage de Noël, mais c'est de plus en plus, on en voit dans certains magasins, Michaels, Canadian Tire, etc., qui ont justement des guirlandes lumineuses qui font plus vintage ou plus contemporaine. Alors, on est capable d'intégrer ça. Donc, ça va créer une ambiance. C'est intéressant sous forme de structure. Je vais faire un test prochainement. J'en ai acheté d'autres pour m'amuser un peu au sol pour voir qu'est-ce que ça faisait. Mais on va surtout l'utiliser dans des structures, des gazebos. Voyez-vous ici, c'est une tonnelle. Donc, ça va être suspendu, puis ça va vraiment nous créer une ambiance. Donc, si vous regardez, là, lorsque je suis à l'intérieur, là, ça crée quand même un effet assez intéressant. Donc, ça, c'est une alternative. Je vais me promener un peu, vous verrez plus grand-chose pendant quelques minutes parce que j'ai une zone qui est très, très sombre. Mais je vais vous montrer mon coin arrière, qui est un coin salon que j'ai aménagé l'hiver avec des décorations hivernales et des choses comme ça. Puis j'ai laissé l'éclairage en place cet été parce que je trouvais que ça lui amenait une ambiance chaleureuse, décorative, puis ça me suffisait. Donc, encore une fois, c'est simplement de l'éclairage de Noël, cette affaire-là. C'est vraiment, vraiment simple à faire. Puis, avec une structure, ça vient créer une ambiance. Donc, vous regardez ici. Je vais éclairer tout simplement mes plantes et ma tonnelle. Et ça me crée une ambiance très intéressante. Je viens pas lire un livre ici, moi. Je viens juste chercher la fraîche le soir quand il fait chaud l'été. Et ça me permet de relaxer. Alors, ça peut être quelque chose d'aussi simple que ça. Lorsqu'on est dans des structures, le produit que je vous ai présenté, qui est un produit d'un petit peu plus de qualité, lui va s'intégrer bien. Aussi, pour une ambiance comme ça, si on veut avoir quelque chose de plus résistant, mais beaucoup dans l'aménagement. Je ne serais pas capable, avec l'éclairage que vous voyez, de créer un effet de trois dimensions comme mon éclairage de qualité va me permettre de faire. Parce que ma lumière n'est pas assez forte pour créer l'effet de profondeur. Avec l'éclairage d'ambiance, je vais vraiment créer cette profondeur-là. Si vous allez voir les autres vidéos, vous allez voir un petit peu plus. Alors voilà, des alternatives possibles pour faire de l'éclairage. On peut mélanger le tout. On peut s'amuser. Délicat. Donc, ça, c'est un éclairage simple qu'on trouve n'importe où. On peut s'amuser, on peut faire des tests. Ça coûte vraiment pas cher aussi. Fait que ça peut nous permettre vraiment de connaître qu'est-ce que l'éclairage peut faire, puis d'expérimenter, voir qu'est-ce qu'on a de besoin, puis qu'est-ce qu'on recherche pour, après ça, travailler avec un éclairage de meilleure qualité qui va avoir une durabilité beaucoup plus grande, puis qui va nous créer un effet de profondeur.